ハハハハ Non. <laughs> oh mais... oh, je sais plus faire. Je sais plus faire. <laughs> Ce n'est plus mon métier. Euh... J oh, oh, ça, c'est pas gentil de rappeler ça. Bonsoir, euh, bon, bonsoir à toutes et à tous. Il est 16h, les amis. Alors, en réalité, sachez qu'au moment où, où on tourne cette vidéo, ça s'entend peut-être à, à, à nos voix. Il est 21h17. C'est étonnant. C'est pas. Euh... Étonnant. D'habitude, mmh. les vidéos, on les fait le matin ou la journée. Donc là, on s'est dit, on va le faire le soir, tranquillement. J'espère que vous êtes tous très bien. On espère que vous êtes tous très bien. Euh, Aujourd'hui, nouvel épisode de euh, Mco Park. Mais attends, euh, Booby, euh, qu'est-ce qu'on fait On est où, là C'est quoi cet endroit-là, dis donc euh. bah, Je sais pas, je trouve ce bâtiment un peu vide. Hein. Ça, c'est pas faux. Ce jeu d'acteur oui. est incroyable. <laughs> non, je crois qu'on est quelque part dans le Far West. Ah, on est dans le Far... Oh, ah, 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 oui, le Far West. Ah, oui, oui, oui. oui. Ok, d'accord non, J'allais dire j'allais dire quelque chose et je pense que tu pensais la même chose aussi. Oh, J'ai l'impression qu'on peut monter. Ah, je sais pas si c'est oh. une bonne idée de faire le review de là-haut. Ah, oh bah, pas forcément. Parce que déjà, c'est. de faire un, un Ah, alors on va monter. Bon, c'est pas réaliste, hein. vous nous excuserez, on, on fly. Hein. Mais euh, alors attends, j'arrive. Je, je, <laughs> en tout cas, c'est un ouais. bâtiment qui est haut. Haut, hein. oh, mais vide. Ok, très bien. C'est ça. Très, très particulier. Bon, euh. Voilà. En vrai, je te propose qu'on sorte pour regarder. Ouais, sortons ensemble, baisse ça la y tête, est. baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête. Les amis, les amis, c'est officiel, on sort ensemble. Alors voilà. Et là, j'ai le droit de me retourner, c'est ça Ouais, genre 3, 2, 1. Wow. Est-ce que c'est pas incroyable ce qu'elle a fait Sans déconner. Voilà. Je sais pas si c'est très western, à vrai dire. Ah bah. Mais ça, il faut pas que tu dises ça. Ça, il faut pas que tu dises. En plus, c'est pas vrai. <laughs> Je, je trouve que vraiment euh, bah déjà il y a ça dans les dans les dans, dans les petites, euh, dans les petits villages de type cow-boy. Mmh. Il en faut tu vois donc oui ici mmh. ça fait western ça fait déjà plus western peut-être que des maisons bleues comme ça tu vois. Bah, c'est hyper western d'abord. <laughs> donc euh, non non mais c'est super stylé voilà euh, incroyable voilà n'hésitez pas à, à attribuer une note en commentaire sur ce moulin alors le truc ne tourne pas. Donc attention! Oui, J'ai pas envie de m'attribuer tous les mérites parce que j'avoue que euh, je me suis beaucoup inspiré de l'Interweb. De l'Interweb. Plus voilà. communément appelé Internet Explorer en euh, <laughs> 2002. Non, non, Opera, pardon. Opera. Moi, c'est Brave, voilà, parce que je suis brave. Et, euh, et du coup, voilà, tout simplement, c'est tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On voulait juste vous montrer le, le moulin. Hein. Et puis, euh, puis c'est tout. Et puis, non, voilà, du tout. Euh, petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire construit. S'il vous plaît. <laughs> non, non, mais non, mais c'est plus facile de quoi Alors non. oui, du coup, euh, on est. Eh hey, les gars, les gars, merci beaucoup. Là maintenant, ce message est attribué à vous tous. 95% des commentaires et même d'ailleurs de la partie silencieuse, comme là, vous êtes très nombreux à ne pas commenter les vidéos, mais à les regarder, à les liker, etc. Bah merci d'être là, merci de nous soutenir, de comme dit, voilà, donner les commentaires constructifs comme vous l'avez dit. Et voilà, merci d'être là les frérots. C'est vrai que là, ces derniers temps, dans le dernier épisode et dans celui-là, il est vrai qu'on est un peu satirique et un petit peu. Voilà. Euh, les gars, euh, ça camoufle un petit, euh, un petit malaise, hein, c'est juste qu'il y a des trucs qui nous énervent et puis voilà, c'est tout. donc euh, Voilà. Il y en a qui cherchent la merde, on va dire. C'est tout. Euh, voilà, mais il y en a qui savent mieux faire aussi, donc voilà. Voilà, bah, c'est pas, voilà, mais, euh, mais attention parce que là on se moque d'un commentaire là si on continue comme ça, donc on va oui. arrêter là. Euh, bah voilà, bah, c'est super stylé, c'est incroyable et putain, et, en fait je suis en train de réaliser que euh, vraiment, oui. euh, bah il y avait rien en fait ici, euh, <laughs> c'est fou, oui, c'est euh, du, du génie. Attends, juste du coup, euh, on en a pas parlé, mais du coup ça c'était le truc que j'avais essayé de faire à la base. Euh, ah voilà. <laughs> du coup ça se sera enlevé et puis on fera un champ à côté. Ouais. On fera un champ, on mettra euh, et puis on disposera encore la réserve d'eau et le moulin là. D'ailleurs, je ne sais pas si on les avait montrés ou pas, mais voilà. Si si, on avait montré. Alors, eh, non, eh pépé, pardon, ça aussi c'est un rivière, ça. Normalement, vous n'avez pas encore vu. Hein. C'est vrai que le moulin avant, je crois que ouais. Et comme il est moins grand que le grand moulin, du coup, euh, j'y avais plus pensé. <laughs> tu vois mais euh, voilà, c'est super stylé, c'est super sympa. Euh... Et on fera un champ de blé à côté du grand moulin avant. De ouais. ouf. Ouais, moi, je suis même parti loin et tout, mais on s'en fout, on en est pas là et je sais pas si on fera ça, on s'en bat les steaks, mais comme, à chaque fois, je m'imagine toujours que derrière, il pourrait y avoir une route un peu au loin et du coup, je <laughs> trouve. Le truc, le c'est truc, que je trouve ça. ça c'est trop son truc, genre, je veux la route derrière. Mais en non, fait. mais j'imagine trop, ça, ça crée tout son sens et du coup, je m'imagine trop que ça colle trop d'avoir un champ à côté d'une route qui plus est par attraction ici. fin Bref, mm. je, je parle loin, mais je trouve ça super sympa parce que je trouve ça euh, bah réaliste Alors, euh, et aussi alors, euh, avant de commencer cet euh, épisode et rentrer dans le vif du sujet, euh, bah on va peut-être montrer un peu le quartier Kawaii, un peu ce qui a été fait parce que mine de rien, euh, on s'était quitté, il y avait encore pas grand-chose, il y avait rien. Voilà. Donc, euh, ouais. on va vous montrer vite fait. Je, oula, je me suis mangé un, un pont. C'est pas très, pas très, voilà. Je baisse la tête. On va pas faire le, le reveal euh, On va faire le reveal très bien. Vous avez déjà un petit peu vu des bambous. Voilà. Je vais me mettre là. Je sais pas si t'es avec moi. Je sais pas où t'es bah je suis là où il faut, je suis euh, au niveau des ponts, au sol, euh, voilà, ah oui. et du coup, voilà, salut, bonsoir, je vais me retourner, c'est incroyable, alors voilà, Eh hey, les gars, non attendez, d'abord je fais les reveals, <rire> 3, 2, <laughs> 1, ah bah évidemment il n'y a pas de qui a chargé mais voilà, Ah oh, c'est vraiment super sympa, et puis voilà, je, je te laisse présenter un petit peu. Bah, euh, <laughs> du coup c'est... <laughs> J'ai fait... Une, enfin, on a fait une petite île... Attendez, juste... Voilà. Juste, juste, je me noie là. <laughs> Sortez-moi de là. <laughs> on a, fait, on a une, fait une petite île. Du coup, on pourra accéder en, en petite barque. Voilà. Bon, après, je sais on que dans les vrais un... il y a des ponts, hein, mais bon... Euh... bah On fera un pont, justement... Là où euh, je suis. Qui partira de là, qui ira sur la rive d'en face. Ici, là. Ouais. Euh, Nicolas, il a fait les, 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 les arbres, les cerisiers, du coup, avec... Euh, t'as mis quoi t'as mis de la laine rose de la de la terracotta ouais et de la glace euh, de la des vitres alors coup, <laughs> je conçois parfaitement euh, les arbres en vrai en vrai du coup avec le recul je suis content les arbres rendent vraiment euh, sympa perso je mmh. trouve je suis pas peu fier mais je conçois parfaitement que ce ne soit pas des vraies feuilles roses un hein. petit chemin pour venir ici avec euh, une petite fontaine et puis euh, puis voilà, ça fait un petit coin euh, chill peu and relax c'est ça je sais pas comment on dit. Oui, de. Mais alors, on l'avait sur le bout de la langue aussi euh, entre nous là, euh, de, 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 de de recueillement. Mais non, pas de recueillement, mais de. Ouais. En fait, on ouais. On se comprend, hein. Mais. Euh... Oui, mais je trouve pas le mot que je cherche. Euh, voilà. Fuck. Alors. Euh, <laughs> du coup, pour ce qu'on va faire pour cet épisode. Euh... Oh, mais il y a plein de trucs à montrer encore. Mais d'abord, en fait, les gars, je voulais vraiment revenir sur un truc. Et euh, et voilà. Soit tu m'en empêches maintenant Ouais Soit je le fais euh, Par rapport à... Vas-y m'empêche pas c'est bon Tu sais pas de quoi je parle Donc je m'en fous Je vais partir en roue libre J'en ai rien à foutre Par rapport euh, à des commentaires euh, Très peu constructifs Que en fait euh, En fait regardez euh, J'ai reçu un, un commentaire en fait Pour dire voilà Que vraiment Parce que le gars euh, Qui a commenté euh, est, est très calé en fait Vraiment le mec est capable En un claquement de doigts De te faire Europa Park facilement Enfin ça c'est son pote euh, euh, qui, euh, qui a une belle bouche, qui, a, qui le dit. Et, euh, et puis voilà, et puis, euh, et, et du coup, il sait mieux faire que tout le monde. Et euh, il est là en mode, ouais, euh, bon, bah déjà, que, que là, ça n'a aucun sens, en fait. Tu sais que les virages, ça n'a aucun sens, que c'est euh, des spaghettis. Voilà. Alors moi, j'aime bien les spaghettis et le pâté en croûte, ça, il faut le savoir. Mais c'est vrai que en ce moment, j'aime bien les spaghettis. Bon, bref. Euh, donc certes, oui, c'était un peu du aléatoire. Voilà, moi, j'ai pas recopié Europa Park. Hein, je me suis dit, c'est quoi On va être créatif, on va faire nous-mêmes nos trucs, ok Par contre, de là à dire. Que c'est pas réaliste les virages en fonction de la vitesse et tout, tu sais, parce que les virages sont trop brusques, etc. Le gars, ouvre tes yeux. En fait, vraiment, je. je tu vois ça là Ça, c'est le schéma classique du virage brusque. Là, j'ai alterné, parce que là, ça va vite. J'ai alterné pour faire du 2-1, 2-1, 2-1. Est-ce que tu comprends Et là, pareil. Là, on repart sur <laughs> du 2-1, du 2-1. Là, c'est du 3-4, tu vois. Genre, non, là, le virage, il est sec ici, mais d'abord. Y a, comment on appelle ça Il y a une entrée dans le virage ici. Et là, il y a une sortie. Enfin. Genre stop, en fait. Genre, à aucun moment, je j'ai pas. Tu vois, à aucun moment, tu vas à fond les ballons. Et les virages sont tous comme ça. Tu vois Non, avant de rentrer dans un virage, c'est comme ça. Par exemple, tu vois, il y a une sorte de... De, de smooth je sais même pas comment appeler ça parce que j'ai pas le vocabulaire professionnel que toi tu as euh, donc voilà bref c'était juste la petite parenthèse pour dire que ça me casse les couilles ce, ce truc là et ça me rend ouf parce que vraiment je le dis je me dévoile je me confesse voilà tu m'as pas retenu c'est le moment roue libre euh, genre vraiment il y a un seul gars qui arrive à me casser les couilles alors que vous tous les, les autres joueurs avec vos commentaires super gentils, vous me foutez le smile, mais alors par contre, et même les commentaires constructifs évidemment hein, genre ceux qui disent ça j'aime moins, ça j'aime pas, je préfère commencer comme si c'est super ces commentaires-là. Mais alors il y en a un qui sort de nulle part et qui vient de casser les couilles sur toutes les vidéos, même sur les vidéos Euro Truck, même sur les vidéos Euro Truck, le mec il, il, il a 11 ans, le mec il a 11 ans, il connaît mieux le code de la route que moi qui est monique, c'est un truc de taré. Et genre vraiment le gars, bon bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, je ne sais pas si ce sera coupé au montage puisque je n'ai pas de monteur vidéo voilà <laughs> bref non, mais bon voilà faut juste comprendre que en fait genre nous on se casse le cul on passe du temps en fait sur un parc à essayer de faire un truc genre assez réaliste sachant que ça peut pas être réaliste à 100% parce qu'on est quand même sur un jeu en plus de cube et euh, genre en fait mettre des commentaires comme ça juste pour ramener sa fraise parce que soi disant moi je sais tout mieux que tout le monde et tout mais euh, sans en faire un truc vraiment constructif et euh, et qui est au fou à la ravage, genre voilà. Je <laughs> sais pas où voilà. je vais revenir, mais <laughs> c'est juste. Euh, non, non, mais voilà. Je vais appuyer je... sur tes propos. Merci d'appuyer ouais, sur mes propos. Je... je viens de faire un ban sur le Discord. C'est bon, en fait, le mec, il se fout clairement de notre gueule. Voilà. Ce que j'ai fait euh, aussi en off, pendant que tu faisais euh, moulin et moulin et moulin, parce que finalement, tu as fait moulin avant, moulin à haut, etc. Donc c'est vrai, as fait plein de moulins. Le moulin rouge, euh... j'ai pas encore fait. Le moulin mais rouge. Le moulin rouge J'ai dit, dit moulin à eau. Ah Yo Moi je pense... Yo <laughs> J'ai pensé au moulin rouge Du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai continué les chemins ici euh, pour se donner une idée. Alors évidemment, c'est très vite, vous allez voir, là, il n'y a pas de pont encore. Euh, et donc là, en fait, on arrive dans le quartier. Donc là, évidemment, il y a euh, encore le dernier truc tropical, donc les, les mines, hein, tout simplement. Euh, et là, en fait, voilà, c'est le quartier Waouh, Tu vois Et je me suis dit, vas-y, on va faire un mélange de Red Concrete Powder et de Stone Brick. Là, évidemment... Ça ressemble vraiment à mon visage pour le moment. Euh, tranquille, tu vois. Là, évidemment, c'est super carré, c'est très moche. Il y aura évidemment des variantes, il y aura des trucs qui seront en plus, mais c'était juste pour se donner une base. Là, c'est voilà, je sais même pas pourquoi je me justifie puisque le seul mec qui me casse les couilles ne va même pas regarder cette vidéo. Donc vous tous, vous avez tous compris, c'est génial. Donc là, on continue. Sur le... vous, êtes oh, tous par... vous êtes tous parfaits et je kiffe de plus en plus mes abonnés depuis ce qui vient de se passer. Voilà, je vous kiffe tous, sauf un. <laughs> Là. Donc là, il y a le petit chemin qui va ici, bim badaboum, pour l'entrée de, de cette attraction, le En euh, Franchement, c'est pas très réaliste, hein, le, le sol en rouge, que ça. Non, pardon, ouais. Bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'ai okay. pas en mesure. Ça, en fait, ça me saoule, genre, c'est pas bien parce que on transmet de ouf des mauvaises vibes et tout, alors que ben, c'est pas du tout le but du parc, quoi. C'est clair! C'est clair, mais c'est vraiment la dernière vidéo où on... Ok Calmez-vous. Enfin euh, la dernière vidéo où on s'énerve, pas la dernière vidéo, <laughs> vous inquiétez pas. Ici, c'est l'entrée pour euh, le fusion. Et en vrai, en vrai, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais en vrai, là, les fleurs géantes et tout, on pourra en mettre un petit peu partout, là, ici à l'entrée déjà. En vrai, c'est ça ce qui va se passer. Il y aura un mélange de oui. champignons géants ici et de fleurs géantes. Très clairement. Ah, et hey, yes. Ensuite, on arrive ici au niveau du futur N. Et là, vous avez vu, j'ai changé le sol, il est plus rouge, mais il est euh, magenta comme l'attraction finalement. Et là, là-bas, il y a une forêt de chorus un petit peu, donc on en mettra aussi un petit peu. Pas trop, en vrai, il ne faut pas que ce soit dégueu. Après, c'est un quartier un peu waouh, et de toute façon, c'est vraiment séparé, vous l'aurez remarqué, c'est à l'écart du reste du parc d'attractions. Euh, et en fait, c'est comme à Europa Park, parce que je sais qu'on aime bien un peu comparer. Euh, comme à Europa Park, quand vous voyez le... le... Oubi le, le, Arthur, Arthur, Arthur. Arthur et les Minimoys. Ouais, cette attraction-là, elle est un peu à l'écart. Et euh, alors c'est pas comparable, mais c'est aussi à l'écart. Donc vraiment, c'est un petit endroit où on rajoute un peu des trucs un peu artificiels, what the fuck, tu vois ce que je veux dire Donc là, on a l'entrée ici ah pour arriver. C'est partie du parc. Qui sera pas réaliste. Ouais voilà. Disons-le, là on assume hein, complètement. Euh, voilà. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, donc je le répète quand même. Mais ça c'est parce qu'il a pas écouté. La lave, elle est officiellement artificielle. Tu vois, quand on a un peu d'imagination, on a dit que sur le parc, pour le RP, la lave est artificielle. C'est de la fausse lave. Si tu veux, c'est de la moquette rouge. Si tu veux, tu vois. Alors on risque pas de se brûler donc oui c'est réaliste dans un sens parce que c'est RP c'est pas de la vraie lave ok Comme dans les vrais parcs genre c'est comme les rochers tu sais quand tu fais le blue fire dans Europa Park c'est pas des vrais rochers c'est du plastique Donc t'as pas de risque de te faire effondrer sur la gueule bah c'est la même chose ici Mais comme c'est Minecraft c'est pas réaliste j'ai compris j'ai compris ferme là mon pote Et donc voilà donc là je pense qu'on fera un raccourci parce que c'est relou de faire demi-tour Après on verra je pense qu'il y aura de la chorus flower je sais plus comment ça s'appelle euh, ici ça continue, donc ça fait vraiment du bien d'avoir les chemins reliés parce qu'on commence vraiment à s'en sortir. Ici on Le arrive au niveau du train fantôme. Euh, ici j'aimerais bien mettre un peu partout ces grands arbres et je pense qu'on va commencer à faire ça dans cet épisode aussi. Et là pareil sur ce chemin là on va mettre des grands arbres un peu pour faire flipper, d'accord euh, toi t'avais une idée c'était de faire une petite, un petit une petite forteresse si j'ai bien compris dans un château fort ou je sais plus trop. Où. Ouais un genre de château hanté mais euh, genre ce sera vraiment juste pour la décoration, ce sera pas pour euh, se promener dedans Ok mais... voilà en, en gros ça va vraiment être euh, comment dire. Juste l'extérieur. Ouais voilà, je sais plus comment on appelle ça, je voulais vraiment dire euh, le mot. Euh... Tu euh... sais... Papier mâché. Ouais Oh Vas-y, fais-moi un check Fais-moi un check en direct, vas-y, vas-y. Euh, ah oui, alors parce que du coup je suis plein d'incrustations fond vert en fait dans cet épisode. Du coup ah euh, Mais c'est pas grave. Euh, mais voilà, c'est ça. C'est du papier mâché qu'on qu fera. Euh, comme dans les vrais parcs d'attraction des fois, vous savez, il y a du papier mâché je en fait. C'est génial. Voilà. Là ici, une grande avenue un peu pour relier de nouveau ici. Donc là, euh, le palais des glaces. Et donc là, on retrouve de nouveau le centre. Et c'est génial d'avoir fait ces chemins parce que vraiment, on peut se rendre compte de la place qu'on a et de du potentiel qu'on peut faire. Et j'avais une idée, par exemple, c'est que ici même, là ici on mettra un restaurant. Je pense ici c'est un emplacement parfait pour un restaurant. T'as le volcan ici. Alors là, il y a pas tout qui est chargé puisqu'on est sur un serveur, donc les chunks sont pas tous load. Enfin, il faut vraiment se rapprocher pour que ce soit load tu vois. Genre là, on est près de l'eau, on est dans près de la place centrale et euh, près des, un peu des attractions. Du coup, c'est sympa de faire ici une, un break avec euh, un restaurant. Euh, et enfin, pour terminer, pour revenir à l'entrée du parc, finalement là-bas, c'est l'entrée du parc. Donc là où il y a le quartier horreur, et ben, c'est tout simplement les, les deux attractions, donc le blazer et la forteresse, juste ici, donc les entrées qui sont là en ligne droite également. Et là, en fait, je vois bien le truc. En fait, il euh, y a beaucoup de... En fait, parce que c'est la fête, en fait, les gars. Euh, quand tu te mets ici, tu t'imagines... Ça l'a pas vraiment fait rire. Tu t'es là. Tu la ligne droite des enfers. Et du coup, je verrais bien sur les côtés... Sur les... Des, vraiment des poteaux en feu. Genre... Le démon, le diable. On va tous mourir. Et là, tu vois, tu en ligne droite, là. Tu es en mode... Ah. Là, là actuellement, tu te fais chier. Mais tu t'imagines, euh, avec de l'imagination que... Hein, avec de l'imagination que... Avec en plus la musique qui va aller. Je rappelle qu'il y aura un ressource pack personnalisé qu'on va mettre des musiques qui font flipper, des musiques Far West, des musiques etc. On a déjà d'ailleurs, les gars, petit truc, on a déjà chopé une musique pour le Far West, un thème song pour le Far West, le quartier Far West, la musique qui aura en fond est incroyable, incroyable. D'ailleurs, je me souviens même plus à quoi elle ressemble. Je te l'enverrai, je te la renverrai, okay. tu vas kiffer, tu vas trop, tu et tu sais quoi Après, on se l'écoute, on se l'écoute en off. Je parle bien parce que n'attendez pas la fin de la vidéo pour ça, mais on se l'écoute et on se promène dans le quartier forest avec la musique en fond, et tu t'imagines que ce sera comme ça à, quand ce sera fini, tu vois. Genre. Euh... Par contre, c'est pas réaliste parce qu'en fait, dans, dans les vrais parcs d'attraction, euh, quand tu bouges, des fois, comme il y a des haut-parleurs, t'entends plus à gauche, plus à droite. Alors que là, euh, ce sera sur les deux haut-parleurs. Enfin, bon, voilà, ça c'est juste la parenthèse, on, on fait comme on peut, quoi. Euh... Ouais. Et en plus, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai parce que je vais pouvoir mettre des commandes blocs à plusieurs endroits qui émettront eux le son, et du coup, en fait, en fonction, t'entendras plus à droite, plus à gauche. En fait, laisse tomber, ce sera réaliste. Eh, hey, le BG ou pas le, le Nico là BG. <laughs> Ah ça me touche, ça me fait plaisir. Non, enfin voilà, du coup euh, les chemins sont tous faits. On peut toujours en, en refaire en fonction si on met des attractions, si on, parce qu'on sait pas encore. Il euh, y a encore beaucoup d'espace qu'on peut exploiter, c'est super sympa. Là t'es déjà en train de faire pousser les chorus flowers, c'est cool. Je vais un petit peu t'aider comme ça ce sera fait. Euh, bah non tu sais quoi, non, je vais okay. te laisser faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais planter ces arbres là en fait. Genre si t'en mets 4 comme ça. Et de la bonne mille, ça fait quoi eh ben ouais c'est ça C'est ça J'ai réussi ce que je voulais faire Je suis si ému Et si je fais Comme ça peut-être Ouais ça ça marche pas par exemple Et si je fais ça Oh ça m'a Ça marche pas Non en fait c'est vraiment euh, Faut vraiment que mette 4 C'est génial ok Donc voilà en fait c'est ça les amis Qu'on va faire Alors on va pas mettre ça Jusqu'à trop loin non plus Mais On va faire la limite ici en vrai hein, Pour que ça reste quand même Assez tropical là-bas de nouveau Tu vois c'est la place centrale là-bas donc euh, on va faire ça comme ça. On va que mettre les arbres de ce côté et pas de l'autre, je pense, parce que comme là il y a le palais des glaces, c'est quand même assez smiley là-bas, tu vois, c'est du smile. Donc vraiment, c'est juste là que ça fait peur. Oh là oh Ouais, ouais c'est sympa là, les petites générations bizarres. Hein non, je veux pas aller plus loin, j'ai dit, je suis bête. Euh, hop, 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 hop. Bon alors on va faire ça, en plus ça pousse tout seul, donc c'est quand même fantastique. Ah mais c'est vrai, je peux prendre la hache place World Editeur. Exact Voilà alors après là je vais pas non plus trop planter d'un parce que je sais pas où c'est que tu voudrais faire ton château en fait est ce que tu voudrais le faire parce que en fait tu voudrais le voir où est ce que tu pourrais voir et me dire vers où tu le verrais et, et de quelle taille peut-être parce que euh, c'est pas la taille qui compte quoi mais un peu quand même genre là tu verrais ça où en fait ben, euh... Toi tu le verrais où Bah justement je sais pas parce que le problème c'est que moi ici à, à cet espace là ça aurait été bien mais le truc c'est que ça va pas avec le futur end à côté. Enfin, c'est con. Ouais. Toi tu le, tu le verrais où Parce que sachant que ce serait du papier mâché, donc faut que ce soit reculé, qu'on puisse pas y avoir accès. Mm. Ah Et bah si on... là, ouais. ici, genre les arbres de ici. Ah là, ce serait parfait. Parce que ça colle tout. Ça, ça colle totalement avec le scénario parce que après on va on va finir dans cette forêt et tout. Ok, ça okay. me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Donc je vais pas planter d'arbres ici. On les rajoutera une fois que le château fort sera fait. Enfin le château fort. Comment t'appelles ça Moi je dis un château fort, mais euh... un, ma un manoir. Un manoir. Oh là là. Fantastique. Fantastique. Là le but c'est pas de mettre trop d'arbres en vrai. C'est juste voilà suffisamment. Mais pas trop. Juste pour que ça fasse un peu une allée, quoi. Ah, tu vois, déjà, là, il y a le petit truc, le côté sympa. Parce que si, maintenant, je fais ça, les amis... Voilà. Ça, c'est relou. Ça, c'est nul. C'est pas... C'est... Non, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je fais de la merde. Qu'est-ce que t'as fait En gros, tu vois, avant, j'ai sélectionné une partie et tout pour remplacer l'air par landstone, landstone pour pouvoir après mettre les chorus flower. Ouais. Et je sais pas pourquoi, au lieu de m'embêter, bah je vais refaire une commande pour planter les chorus flower, comme ça se met que sur Landstone, tu vois. Sauf okay. que j'ai oublié de sélectionner un bloc au-dessus. Du coup, ça a que toute la dirt et landstone, ça a mis de la chorus flower. Parce que comme ça ne pousse pas sur la dirt, non, ça a des pops de nouveau. Et ça ah. en fait ah, Heureusement qu'il y a le Window, du coup. Oui. Ah <laughs> OK, je vois. OK, je vois, je vois. Voilà, ça c'est top. Mettre les grands arbres ici comme ça. Là tout de suite, c'est oh, c'est tout de suite plus oppressant et eh, j'ai mis plein d'arbres autour euh, du manoir, enfin du ouais, de la maison hantée plutôt. Et là, il y aura le manoir. Voilà. Là, il y aura le manoir. Si là, on n'est pas bien les potes. Là, on est pas mal. Là. OK, donc ça c'est bon. Non, on fait pas de bêtises. Non je vais voir ce que tu fais. Oh Oh, oh C'était ça que tu voulais faire. Et ouais. Et dans tout le temps que t'as perdu, en vrai. <laughs> non, mais en vrai, ça va quand même plus vite, même si j'ai perdu du temps. Tu vois, voilà, l'idée, c'est de pas en mettre à droite non plus. Pour pas il y a cette limite de. Et là, c'est eh, Tiki, ça reste un pari d'attraction, on se calme tranquille. Voilà, ça, c'est cool. Pas mal, ça, c'est pas mal, ça. Vous reconnaissez euh, tu sais ce que je vais faire Ah non, ça va pas m'aider ça. Non, je, je, je vais tout simplement plager ce que j'ai déjà fait. Très bien. Et en vrai, je pourrais les copier avec World Edit. Hein, et je paste. C'est nickel. Je fais rotate. Pour pas que ce soit tout le temps de la même façon. À 90 degrés. Et je mets ici. Ok, il me l'a mis là, c'est très bien. On va se faire un petit rotate de nouveau, voilà, un petit plaisir. Euh, pour pas trop saturer de celle-là, on va la mettre. Bon, là, il y aura des champignons. Un mélange de champignons. Bah, écoute, on va arrêter la vidéo là. Ouais, ok, on va arrêter la vidéo là. On va faire ça comme ça. Et euh, ça marche d'ailleurs, les gars. Vous avez vu, alors pour ceux qui regardent sur TikTok, euh, j'ai vu que euh, Expérience sociale, quand tu chuchotes à quelqu'un, il va te répondre en chuchotant. Et vous avez vu, ça a fonctionné. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez manipuler des gens en regardant des tutos sur TikTok oh les frérots n'hésitez pas à me suivre sur tiktok je fais pas de tiktok mais c'est drôle et ben voilà et ben les amis merci d'avoir suivi euh, cet épisode folklorique dans le prochain épisode du coup ce qu'on fera on sera plus calme. déjà on sera plus... Bah, alors si je peux me permettre c'est triste mais je trouve qu'on a commencé cet épisode calmement c'était très chill et je me disais vas-y les viewers ils vont kiffer et après je me suis énervé tout seul <laughs> dans le prochain épisode les amis on va s'occuper de ce parc là. Euh, vous avez vu que j'ai déjà coupé des arbres avec WorldEdit parce que du coup ça n'allait pas, c'est horrible. Là, les petits chemins de terre, c'est des petits chemins random parce que tu sais, pour faire ça réaliste, des fois il bah, y a des chemins qui sont faits automatiquement par la nature. Donc voilà, on fera ça dans le prochain épisode. Avec des petites décos, des lumières, je sais pas, des bons, des balançoires, etc. Ah, j'aime bien ma balançoire, c'est vrai, j'avais oublié. Oh. Bref, on vous fait plein de bisous les amis. N'oubliez pas de lâcher le, le petit pause bleu, merci pour votre soutien. Et, euh, et puis voilà, à la prochaine les amis. Ouais. Oh, where?